Hello les amis, c'est Shoté Dream, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouvel épisode du Let's Play de la nouvelle maison du style 2. J'ai déjà démarré le jeu aujourd'hui, j'ai joué une petite heure tout à l'heure durant ma pause. J'ai changé le make-up de ma petite madame. J'avais d'abord été tester le maquillage entre guillemets surprise. Là en fait là je l'ai vraiment remaquillée à mon goût et c'est vrai que j'ai pris l'habitude depuis quelques, faut pas dire depuis quelques jours mais quelques jours quand vous verrez cette vidéo, peut-être même une semaine, de mettre un rouge à lèvres bien rouge parce que je trouve que ça va bien avec mes cheveux et donc voilà. Et aussi comme le fait en fait comme j'ai plein de boutons en vrai ça les gens regardent autre chose que mes boutons et regardent mes lèvres toutes rouges donc voilà. J'aime bien, ça fait pin-up, ça me plaît beaucoup donc voilà j'ai décidé de maquiller ma petite perso, comme moi, j'ai décidé de me maquiller. Donc, j'ai quelques petites choses à vous montrer. Donc voilà, donc comment évoluer donc mon écran, mon studio. Voilà, donc j'ai plein de stylistes, donc c'est là où je peux sauvegarder des tenues, ma garde-robe, mon coin maquillage et les créations que j'ai reçues. Je pense que c'est juste les genre de en street pass en fait, si j'ai bien compris. Donc voilà, on va sortir dans le truc, dans la rue. J'ai débloqué, mais je voulais vraiment vous attendre avant d'y aller. Le palais des défilés. Donc voilà, je vais vraiment vous attendre. Voilà comment on se prend de la cité de la mode. Ici, vous avez le showroom et là, vous avez le palais des défilés. Donc voilà, on va découvrir ensemble le palais des défilés. Hop, je clique dessus. Merci d'être venu, jeudi. Et si nous allions à l'intérieur pour discuter? C'est par ici, je me suis dit que vous aimeriez visiter le bâtiment aussi. Voilà le palais des défilés, l'un des endroits dont je suis propriétaire. C'est la plus grande scène couverte de la ville. On y organise beaucoup de concerts et autres événements. Je veux que la ville soit réputée. Hop, casse mon écran, désolé. Soit réputée pour les événements qu'on y organise. Mais c'est très souvent vide le soir, il n'y a pas de spectacle pour remplir tous les jours. Alors j'ai l'idée de créer un spectacle moi-même. L'idée m'est venue en discutant avec Lulu l'autre jour. En fait, c'est votre travail à la boutique qui m'a inspirée. Voilà, je me suis dit qu'on pourrait organiser des défilés ici. La boutique est un endroit important dans cette ville. Elle a passé riche. Quand la grand-mère de Lulu s'en occupait, elle était si populaire que la mode a pris un nouvel essor en ville. Mais l'enthousiasme des gens a fini par retomber. Et honnêtement, la ville est devenue assez ennuyeuse depuis. Mais les choses ont changé. Les gens s'intéressent de nouveau à la mode, vous avez remarqué? Et je crois que la raison de ce changement, c'est vous. Vous donnez à vos clientes une passion pour le style et ils la transmettent à leurs amis. Voilà ce qui m'a donné de l'inspiration pour mon spectacle. Imaginez un peu, je dis. Un défilé de mode professionnel, une scène, une foule immense, des spectateurs qui applaudissent à tout rompre. Oh, c'est tellement mignon. Et je vous propose peut-être de découvrir cette cinématique sur YouTube. Désolée les gars d'avoir coupé, mais j'ai coupé parce que j'ai simplement pas envie d'avoir encore des soucis avec les droits d'auteur. Donc voilà, j'essaierai de vous la retrouver sur YouTube et de vous mettre le lien en description de vidéo ou alors en remarque, en petite bulle qui apparaîtra sur la vidéo. Voilà, tout simplement. Donc, continuons. C'est mon rêve et je vais travailler jusqu'à ce qu'il devienne réalité. Oh, waouh, regarde comme c'est beau, tu ne trouves pas Coco? Lulu, ne crie pas comme ça, enfin. Lulu? Coco? Désolée Ricky, on vient de vous voir entrer ici tous les deux et... Tu vois, je t'avais dit qu'il ne m'avait pas demandé de sortir avec lui. Quoi, de quoi est-ce que tu parles? J'ai jamais pensé à ça. Je n'étais pas... Écoute, aucun avantage, j'ai une conversation sérieuse avec jeudi. Je dis, accepteriez-vous de mettre votre talent à contribution pour ce défilé? Attendez, quoi? Je n'ai jamais entendu parler de ça. J'ai amené jeudi ici pour lui demander d'être ma styliste attitrée pour le défilé. À chaque défilé, un nouveau thème est proposé. C'est le rôle du styliste de créer des tenues époustouflantes en lien avec le thème. Génial! Et pour vous, je dis, ce serait une chance de montrer votre talent au grand jour. Puis-je faire quelque chose pour vous aider, Ricky? Je pourrais faire de la publicité du défilé, par exemple. Je suis douée dans ce domaine. Merci pour l'offre, Lulu, mais vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Tout ce qu'il nous faut, c'est que vous et Jodie continuez à encourager l'intérêt pour la mode. Je pense que les clientes satisfaites viendront au défilé pour soutenir Jodie. Oui, oh, je vois, oui, je pense la même chose. Avez-vous déjà fait votre shop pour les mannequins? Non, pas encore. Je me porte volontaire, alors vous avez besoin d'un mannequin avec de l'expérience. J'apprécie cet enthousiasme, mais en fait, je pense que la communauté pourra choisir. J'ai l'intention d'écouter les habitants de la ville et de voir si une personne sort du lot. Une seule personne? Oh, tu vas parler à chaque habitant de la ville, ça va te prendre des mois. Pas tout le monde, non. Et j'ai demandé à Laurie du showroom de m'aider, donc ça devrait aller.
Oh, eh bien, ça ira alors. Le riz. J'ai mon nez qui me chatouille. Le riz marche tellement vite qu'à la fin de toute la vie, on n'a rien de temps. Dans ce cas, je vais commencer à faire campagne. Je veux être choisie comme mannequin. Oh, bonne chance, Coco. Je serai dans le public pour t'applaudir si tu es choisie. Je dis en styliste, Coco mannequin, ce défi va être vraiment spécial. Quand est-ce que qu'il aura lieu? Dès qu'on aura vendu tous les billets d'entrée. Je veux remplir la salle. C'est très important pour l'ambiance. Donc, plus jeudi aura de clients satisfaits, plus nous vendrons de billets. Ce sera un facteur important. Je veux en sorte que vous puissiez voir combien les clients ont acheté de billets. Bonne chance, jeudi. Vous avez tout notre soutien. Je vous tiendrai au courant lorsque nous aurons choisi un mannequin. En attendant, continuez comme ça et tout se passera bien. Bonne chance! Donc maintenant, en dessous de ce qui est indiqué, vous pouvez maintenant voir les nombres de billets vendus. Faites en sorte que la salle soit pleine pour le défilé. Ok. Donc là, c'est donc tenue mignonne, adorable et stylée exigée. Donc quand je regarde en fait ici, donc là j'ai toujours cliqué sur le palais des défilés. Voilà en fait le menu qu'il me propose. Je vois qu'il a commencé le défilé, choisir un thème. Donc je peux déjà commencer à choisir un thème. Donc le thème c'est je suis adorable. C'est adorable à souhait, prenez votre courage à deux mains et foncez, on ne sait où. Ok. Voir le plan de la salle, donc je peux déjà regarder comment fonctionne la salle. Ok, donc voilà, là ça sera le plan de la salle, plus que quelque chose à remplir, on y est presque. Ok, donc ils ont déjà vendu des billets. Hop, donc quand ils auront vendu tous les billets, on pourra aller. Et ici je vois qu'il y a des clientes à qui je pourrais parler. Il y a Pénélope. Je dis, qu'est-ce que vous faites au showroom? Vous savez, j'ai vu Coco ici tout à l'heure. Elle est tellement cool. J'étais surprise de voir quelqu'un d'aussi sec dans cet endroit aussi ordinaire. J'avais peur qu'elle n'aime pas les vêtements que je porte. Bon, on se voit bientôt à la boutique. Ok, d'accord. Ensuite, on a Andrea. Coucou Jody, est-ce que vous travaillez? N'en faites pas trop. Vous venez souvent au showroom pour le travail, n'est-ce pas? Je vous vois toujours partir avec une tonne de vêtements. J'adorerais les voir présenter dans votre boutique. Bon, on se voit bientôt à la boutique. Ah oui, aussi, je vais vous dire, les amis, j'ai débloqué Stage Dive, la marque Peroc. J'ai débloqué. Voilà, on peut à un moment, vous pourrez choisir en avançant dans le jeu, tout simplement, en vendant des vêtements. Enfin voilà, de tout simplement de débloquer une marque. Et alors, là, vous pourrez choisir quelle marque vous désirez débloquer. Donc, si vous êtes de bonne humeur, vous aussi, quand on vous fait un compliment, il y a quelques jours, Nini m'a dit que ma tenue était vraiment stylée. Je m'étais donné du mal pour assembler cette tenue. Alors, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit que ça valait le coup d'y avoir autant réfléchi. Je me sens encore plus motivée pour en apprendre davantage sur la mode. Je n'aurais jamais réussi à en arriver là sans vous. Je dis merci. Bon, vous avez été à la boutique. Ok, donc là, j'ai parlé à tout le monde. Je vois que j'ai un petit message sur mon téléphone. Je vais checker. Ah, j'ai deux messages de Ricky. Non, un message de Coco. Kevin, ce défilé, j'en fais partie, c'est certain. J'ai trop hâte. Ricky, pardon, excusez-moi. Ricky est plus attentionné que je ne le croyais. On va faire un super défilé avec lui. Ok, d'accord. Le planning. Donc, qu'est-ce qui. Donc. Ok. Aller au parc en ciel. Donc, je regarde un peu le planning. Aller au parc en ciel. Ok, d'accord. Oui, j'ai un crayon parce que j'ai encore paumé mon truc. Donc, j'ai envie de tester un petit peu. Parfois, quand j'ai des petites icônes comme ça, les persos me donnent des petits meubles pour les mini pour les maisons de poupées, donc je leur parle. Donc, oh, Roger, vous êtes là. Quel dommage qu'il ne soit pas prévu qu'il y a quoi? Ok, d'accord. Ah, cool! Dis-twist-titi. Ah, c'est cool cette photo! Ah, trop cool. Ce qu'il y a, les amis, c'est que j'ai essayé en fait de pouvoir. J'ai essayé de transvaser les photos d'un truc à l'autre, mais j'ai pas réussi. J'arrive pas. Ok, d'accord. Donne-moi un meuble plutôt! Non, d'accord, ok. Bon. Ah non, ça c'est la maquilleuse, c'est pas. Ah oui, attendez.
Donc j'ai remarqué qu'il y avait un premier étage en dessous chez la maquilleuse. Je suis pas encore. Enfin, j'étais allée déjà, mais il y avait Hugues. Bien le bonjour, regardez ceci, mon laboratoire de recherche. Enfin, j'aime l'appeler ainsi, mais pour être plus exact, il s'agit de ma salle de bricolage. Mais ça ressemble un peu à un laboratoire scientifique, alors ça me va. Ok, d'accord. J'ai envie, je ne sais pas en fait comment est-ce qu'on débloque les coiffures chez la coiffeuse. Donc voilà, je vais aller regarder. Donc, coupe surprise. Oui. Ok. Donc, en fait, ce qu'elle va te dire, donc, c'est qu'elle va essayer de se fier à mon humeur du jour pour faire un truc bien. Donc là, je dois choisir entre un look soigné, un look élégant et du volume. Un look soigné. Ah, c'est une horreur. Oh, je déteste. Ah, c'est une horreur. J'ai cette tête-là? Attendez, non, 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 c'est pas juste. Oh non! Oh, j'ai cette tête-là, les amis, c'est horrible! Oh non, je n'aime pas du tout! Oh, quelle horreur, non! Oh non, regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Vous, moi, j'aime vraiment pas! C'est pas du tout mon style, c'est pas du tout visible, c'est. C'est plat, c'est. Ah, c'est pas beau. Bon, c'est pas grave, on va. On va aller à la boutique, on va quand même s'occuper des clients de voilà Coco qui débarque. Je vous ai déjà dit, comment ça? Pourquoi faire? Pour les billets, enfin, ceux du défilé. Si vous arrivez à vendre assez de billets pour remplir la salle, vous pourrez défiler. Ricky vous en a parlé, vous vous souvenez? Du coup, je vous apporter quelque chose qui vous aidera à attirer plus de clients. Ça mannequin pour votre vitrine. Oui! Ah, super! Votre vitrine. Ah, c'est super! Oh, je suis trop contente, les amis. Super! Super! Super, j'ai un mannequin. Ah, je suis trop contente. Oh. Génial. Donc, si je clique sur le menu, normalement, ouais. Oh, regardez, c'est horrible. C'est immonde. Mannequin et vitrine. Bah, c'est trop cool. Attendez, on va d'abord faire ça. Mur et sol. On va faire un chouette petit truc. Donc, là, on est en automne. Je vais mettre ce fond là. Ok. Avec. Ah oui, j'ai juste mis le mur. J'ai pas mis le sol. Ah ok, c'est tout ensemble. Ok. Donc j'ai mis. C'est le fond comme ça, un peu orangé. La décoration, je vais mettre. Ah oui, regardez. Regardez, on a ça. Donc qu'est-ce que je vais mettre au niveau du sol? Je vais mettre bah, ça, le petit. Le petit. Non, attendez. Plutôt mettre ça. Ça là. Comme ça, donc j'ai un petit des petits tournesols et donc ok. Et sur l'autre, je vais mettre qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Ok. Et le mannequin pose, voilà comme ça. Bon, j'ai mis cette pose là. J'espère que vous voyez parce que c'est que attendez ma 3DS. Un peu plus de luminosité que d'habitude, donc du coup, bah voilà, vous voyez peut-être moins bien. Bah, je pense que vous voyez un petit peu mieux. Ok, et ensuite, dans la coupe, vous n'avez aucune coiffure. Ok, je sais pas du tout comment on débloque des coiffures. De toute façon, bah, quand j'avance dans le jeu, je vous le dis, hein, je vous le fais parvenir. La couleur du mannequin, je peux le mettre en noir, en blanc, en rose. Ouais, non, je vais le laisser en blanc. Et la tenue. Donc maintenant, on va essayer de concocter une tenue bien sympathique. J'ai envie de faire une tenue cool, les amis. Donc, style. Non, pas que sobre. J'ai envie de faire vraiment une tenue cool. Ok. Donc, on va faire une tenue cool. J'ai envie de partir sur une base de violet pour que le violet parte de ce magasin. Parce que j'en ai marre de l'avoir. J'en ai marre d'avoir du violet. Ah oui, mais j'ai pas de. J'ai pas de truc en fait. Je regardais pour faire en vitesse une tenue un peu sympathique. Voilà, comme ça, avec le blanc, comme ça c'est joli. Le petit sac clair comme ça.
Ou le... Ah oui, non, regardez. Il y a la rappel en plus, c'est super chou. Non, ça pas. Ah, ça c'est pas... Ah, j'aime bien. Ça c'est cool. J'adore. Ça. Et ça comme ça. Alors ça, les amis, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ok. Et voilà, donc c'est dans la vitrine. Non, c'est vrai que le... Attendez. Je vais peut-être refaire le dé... Attendez. Ok, je vais faire ça. Mais je vais quand même modifier juste le fond. Pour le mettre en violet aussi, je pense. Voilà, ça sera plus joli comme ça. Voilà, les décorations, je vais juste changer les petits trucs ici comme ça, ranger. Je vais mettre... Mettre de la pile de livres, voilà, ça fera un petit peu genre comme s'il y avait des décos, et voilà. Ah non, mais elle est abominable, ma madame, elle est vraiment pas belle comme ça. Bon, les amis, dès que je peux la changer, je la change, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bon, en tout cas, les amis, je vais vous laisser ici pour cet épisode. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas bien, à vous abonner si vous venez de me découvrir, à mettre un petit pouce, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Donc voilà. Plein, plein, plein de bisous à vous et à la prochaine. Ciao, ciao!